There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. Help our souls tonight. We're losing this fight. Oh, help our souls tonight. Is no one. Yo tout le monde, c'est NordAxel. Aujourd'hui on se retrouve sur le Let's Build. J'évite de retourner pour éviter de spoil, parce que j'ai déjà avancé. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est la petite minute décoration. Et comme vous me l'avez énormément demandé, je me suis attaqué à la caserne de pompiers. Donc je tourne l'intro juste après avoir plus ou moins terminé. Il me reste encore 2-3 trucs à faire. J'évite de me retourner. Donc les minutes décoration seront des épisodes assez courts, mais assez coupés. Il y aura beaucoup d'ellipses, vous allez bien le voir. Vous me direz à la fin si ça vous plaît, et j'ai un petit commentaire à vous faire à la fin. Donc essayez de rester jusqu'au bout. Et maintenant on va passer tout de suite à ce que vous attendez depuis environ... je dirais 8 mois, plus ou moins. Donc on va y aller. Et re tout le monde, donc d'après moi, le mieux à faire c'est que j'avance petit à petit et que je vous montre à chaque fois ce que je fais. Donc ici j'ai un peu avancé dans la caserne, on a vu un petit bout par la vitre. Donc ce que j'ai fait, c'est un truc tout simple, j'ai fait en 2 étages. Donc en dessous il n'y a encore rien, mais quand on monte, donc déjà des petits escaliers faits. Par contre ça j'aime pas trop, je préférerais mettre comme ça, ça fait plus massif, hop, un peu plus à cacher, mais bon c'est pas grave. Et quand on monte, on tombe sur la chambre. Ici je vais peut-être aménager un petit truc, je sais pas trop ce que je vais faire, une espèce de petit évier ou un truc dans ce genre là, je pense que ce serait le mieux. Donc, encore une fois, les trapdoors, parce que les trapdoors, depuis la 1.9, il me semble, on peut les placer n'importe où, ce qui est assez chouette. On n'est plus obligé de le placer contre un mur, on peut le placer au sol. Donc, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois, on a une trapdoor, un lit. Ici, j'ai dû mettre un armor stand. Donc, pour l'avoir ici contre la barrière, j'ai dû le pousser avec un piston. Une petite armure bah, plus ou moins en couleur, parce que on va dire que les pompiers de notre future ville, c'est les couleurs des pompiers, comme ça on s'ennuie pas trop. Et j'ai fait ça 2-3 fois. Ici, en cas d'intervention un peu plus urgente, s'ils veulent pas emprunter les escaliers, j'ai fait la petite barre. Bon, elle est pas très pratique quand même, mais il faut imaginer qu'ils sont minces et qu'ils savent passer ici. Et ici, bah, je vais continuer. J'aime pas avoir juste 2 petits verres là. Hop, ça referme un peu plus, mais bon, je trouverai quelque chose à faire par ici. Et on se retrouve tout de suite après, le temps de continuer. À tout de suite. Alors, j'ai encore un petit peu avancé. J'ai fait le juste en dessous, donc j'ai juste fait un petit canapé tranquille. Donc le canapé pas compliqué, des blocs de laine, 3 petites couches de neige, et ici on fait dépasser une carpette pour donner un petit effet. Et ici j'ai fait une petite télé, donc j'ai utilisé 2 petits armor stands parce que j'aime bien l'effet que ça fait, ça donne un peu de détails ici dedans. Donc les armor stands, on a l'impression qu'ils tiennent ici, le petit meuble, ou que c'est intégré au petit meuble, on voit un peu mieux par ici. Donc ici c'est pas compliqué, c'est 2 notes blocs avec au centre de laine et un tableau juste ici au centre. C'est juste histoire de dire d'avoir une petite télé. Cette zone-ci, à part un petit pot avec une fleur ou autre chose, je vois pas ce que je pourrais faire. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. J'ai encore un petit peu avancé, donc j'ai fait un petit coin d'herbe ici, j'avais pas trop d'idées, j'ai encore utilisé cette technique là, faudra me dire si ça vous plaît. Donc je suis pas très fort en décoration, je sais pas si ça se voit, enfin dites le moi en commentaire. Si vous avez aussi des idées de décoration, vous pouvez me le dire.
Donc ici j'ai fait le petit coin d'herbe et juste là j'ai un peu avancé sur le garage. Donc les portes fermées, bon c'est pas terrible terrible. Donc ici ce que j'ai fait c'est que bon une fermée, j'en ai fait une totalement ouverte. Et là au-dessus à chaque fois il y a des petits moteurs avec des rails histoire de dire que ça puisse monter. Donc on est dans Minecraft, ça va pas faire comme dans la vraie vie. J'ai fait le plus fidèle possible. Au sol, j'aime pas trop la stone, mais c'est ce qui suivait avec le mur, avec ce que j'ai fait au sol. Donc, ce que j'ai fait, bah, c'est pas trop compliqué. C'est juste un sol en stone, des lignes jaunes pour dire qu'on vient de garer les camions. Et vu que les camions peuvent perdre parfois de l'huile, rouler sur des trucs pas possibles, j'ai pris un peu de charbon, des blocs de charbon pur. Et j'ai mis ça justement au sol, comme ça, bah, ça fait un peu plus de relief. Je vais continuer à travailler et on se retrouve pour vous montrer un peu les petits avancements à chaque fois. À tout de suite. Et cette petite minute décoration est terminée. Donc, pour la suite, sûrement dans un prochain épisode où j'essaierai d'englober un peu tout, je vais faire des routes. Si vous avez des patterns de route ou bien des patterns de camions de pompiers, parce que je vais essayer d'en faire ici, pas des trop grands, parce qu'il faut que ce soit logique, il faut pas un énorme camion de pompiers qui pourrait pas rentrer dans la porte. Donc s'il y a moyen de trouver un petit pattern, je vous fais confiance. Je vais vous mettre un email dans la description si jamais vous voulez envoyer 2-3 petits patterns. Si j'en reçois pas, ben, je rechercherai sur internet. Des patterns de route, j'en ai quelques-uns en tête, mais si vous en avez aussi, n'hésitez pas aussi à envoyer dans l'email que je vais vous mettre dans la description. Donc, j'ai fait 2-3 petites modifs, j'ai rajouté 2-3 petites taches d'huile. On a aussi une petite table de craft qui utilise justement les fameuses techniques pour faire redépasser un peu le casque, ce qui donne un effet assez chouette. Franchement, c'est assez chouette. Ici, bah, j'ai pas trouvé grand-chose. Bah, c'est déjà assez meublé ici, ça fait un peu vide. Si j'ai une idée, je vous le fais transmettre dans une prochaine minute décoration ou dans une construction de bâtiment. Je passe vite fait par ici pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc maintenant ce que j'ai à vous dire, c'est que j'ai un petit projet de vidéo. Donc est-ce que ça vous intéresse que je m'écarte un peu de Minecraft? Parce qu'il faut penser qu'à la base c'est une chaîne multigaming. J'ai un petit projet, c'est pas sur un jeu forcément, mais ça viendra. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Et j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner, vu que c'est une vidéo que je fais quand même en assez bien de temps. Parce que franchement, avec le travail, j'ai eu l'école avant. C'est ça que j'ai eu beaucoup de périodes où je faisais pas beaucoup de vidéos. Mais cette semaine-ci, il devrait avoir 2-3 petites vidéos. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner.